dès que j'oublie quelque chose. Pardon. Hey, salut à tous, bienvenue sur Bakel Live, le live où on continue nos aventures sur le montage de l'Eva 02. Vous le voyez depuis déjà pas mal de temps, nous montons tête Eva. Et on approche de la fin. G211. Celle-là. Et il nous faut une C maintenant. F2, ça c'était pour le câble. Ça c'est l'arête arrière. On va la couper maintenant, comme ça on se débarrasse de la plaque. Là, on est sur une petite BO de FF8 que j'ai trouvé sur YouTube. Je laisse beaucoup faire les recommandations en fait. J'écoute tellement de lofi différents que de temps en temps il y en a un qui ressort. Alors je l'ai pas encore écouté celui-là. J'ai bien aimé le début. Je me suis dit bah tiens, je vais le garder pour le prochain live. La Q, on en a pas besoin tout de suite. Il faut que j'arrête de regarder des cases qui ne servent à rien. Ah. Alors la B2, par contre, on va en avoir besoin. Ça sera peut-être légèrement moins rapide que d'habitude. Parce que j'ai la tronche en vrac, en fait. J'ai de la fièvre. Et j'avais envie de finir la maquette. Et même, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'attaquer la prochaine. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il veut déjà attaquer la prochaine alors qu'il n'a même pas encore fini celle-là? Parce qu'en fait, j'ai reçu la boîte de l'Eva 03. Et en fait, la boîte est deux fois plus grosse que celle de l'Eva 02. Alors que techniquement, c'est la même maquette, normalement.
Donc, j'ai envie de savoir pourquoi. Y a-t-il un truc précis? Est-ce qu'ils ont juste changé le format? Est-ce que je me suis planté quand j'ai commandé la taille? Ouais, peut-être que je regarde aussi de temps en temps ce que je commande, mais... Ça, c'est les mains. Mets-toi là. À côté des mains. Ah, pardon. Oh, 21 et 22. Oh! Oh, il y a encore d'autres hauts là. Ah d'accord, les jointures. Et ça à l'avant. Faut être bien droit. Tu veux pas rentrer? Peut-être que je trouve la plaque C en fait, parce que là je suis en train de déboîter des trucs. Ah, je fais la même, je fais le même chiffre. Pas de sens.
Bien. On sécurise les lieux. Et on ne s'inquiète pas. Tout ira bien. Pas sur les plis de mes vêtements. Vous voyez la boîte à fin de partie. Case N. Plein de N. Mais c'est d'abord la C que je voudrais. C'est la G. Ah, c'est là, c'est c'est le 29.
Autant je l'apprécie pour sa pour la musique de FF, autant j'ai quand même l'impression que Solofi c'est quand même juste la musique de FF. Désolé, désolé, vraiment, je suis dans un état déplorable. Il y a ces articulations, les couteaux. Je sais pas c'est quoi ça. Me faut la G2. F, I, T. Et FK. D'une plaque, quand même. Ah putain, elle est devant moi. Ouh! Pas sûr que ça soit une bonne idée que je continue maintenant, en fait. Une fin de partie pour la case G2.
En théorie, elle coupe toujours aussi bien. C'est juste une impression dans ma tête, des fois, quand je me dis putain, elle coupe pas. N26 et N22. Ah oui, c'est pour ranger les couteaux. Tac. U12 et 36. Café. J'ai pas encore bu, mais je pense que je vais pas tarder. Hein. Plus 12. Ouais. Non, mais j'ai pas vu, il reste encore deux cases. Quand je vous disais que j'étais pas bon.
Il faut le C22. Et donc ça va dans ce pivot. Comme ça. Tac. Et il faut foutre la N33 par-dessus. Un concours. La N19, putain.
du monde. Carte du monde. Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque une pièce? Non, parce qu'il y a un petit trou en fait là. Je comprends pas. C'est moi. Bonne partie pour la case N.
Il fait ploc. Pourquoi tu fais pas ploc? C'est la pire transition de l'histoire des transitions. Voilà, quand tu veux. Tu fais bien ploc. Ça semble plus logique.
Le plaqueté. Et 4 T5. Un squid 13. Faut assembler la T2.
Ah, d'accord. Pas mal. Qu'est-ce qui bloque? Non, fallait juste appuyer plus fort. Q16.
Là, si vous vous demandez ce que je suis en train d'enlever, c'est les pierres de retour de petits fixations qu'ils avaient mis. T1. C'est une fun partie pour T2.
C'est F1. Ça, c'était F1. Bonne partie pour T1. Un petit peu fin, c'est délicat. Parfait. Oh. Je me disais qu'il y avait un autocollant qui allait dessus. Un truc pour les gens qui ont des petits doigts. Pas parfait, mais pas si mal.
J4 et J5. Bon, j'ai un peu monté une main au hasard sur le canon, mais permettre l'utilisation. D'accord, ça rend plus profond. D'accord. Et donc il y a une main spéciale Q18 pour le tenir.
plutôt une bonne idée, hein. Une main juste pour le tenir comme ça. Là. Et tu peux faire en sorte que ton Eva l'ait avant de l'ouvrir. Et une fin de partie pour H1. Faire double couteau. J'ai pas arrêté le boulot, hein. J'ai travaillé jeudi et vendredi. J'étais dans un Celata, mais j'ai bossé. Ça va mieux, un peu mieux, ouais. J'ai un peu moins de fièvre. J'ai encore mal à la tête. D'ailleurs, j'ai mal aux cheveux, pour être précis. C'est assez bizarre, sachant que j'ai pas bu d'alcool. Ah. Et oui, je vais bosser. Tu as des cheveux. Ouais, regarde.
Parce qu'il fait sombre chez moi, parce que j'ouvre pas les rideaux. Vu qu'il fait 72 degrés dans ce pays de merde. Ça avance ta figurine? Bah techniquement, l'Eva, elle est montée. Hein. Elle est là, tu vois. Il nous reste plus qu'à monter les joujoux qui vont autour. Décider quelle pose on lui va lui mettre, et puis ça sera bon. En gros, dans 20 minutes, une demi-heure, j'ai fini le live. Peut-être un peu plus, parce que je suis un peu lent. Ah, tu sais, il me restait que les épaules à faire. Hein. Là, je prie pour pas finir par me louper. Je prie pour pas me louper. Hey, Toubaka. Je sais pas s'il y a besoin de prier pour moi. Priez pour nous, noble pécheur. Les autres étaient sur le dessus. Je vais faire un live jeu vidéo aujourd'hui. Je vais voir ce soir si ça va mieux ou pas. Ce soir ça va mieux, je fais du Sky of Arcadia. La semaine prochaine, il y a Fire Emblem. Je pourrais peut-être annuler ma commande et la faire livrer. Et apparemment, Nintendo aurait un Fire Emblem de près depuis un an. Bah, je vois pas pourquoi Nintendo aurait quoi que ce soit à voir là-dedans, vu que c'est pas eux qui l'éditent. Moi, je suis à la maison semaine prochaine, comme je suis covidé. Ah, mais moi aussi, je serai à la maison. C'est sûr, je vais télétravailler. Et j'ai télétravaillé jeudi, vendredi. Là. Jeudi, vendredi, j'ai télétravaillé. J'ai d'ailleurs regardé 2 saisons de NCIS, je crois. Ouais, mais moi je peux télétravailler, donc ça m'évite d'aller voir un médecin en fait. Et si je vais voir un médecin, ça va me casser les couilles, faut que j'en trouve un. Ah, ces bouteilles d'eau vide.
Non, c'est pas Spotify, c'est une... C'est censé être un Lofi. Et y a pas l'air d'avoir beaucoup de différence. D'ailleurs, ça fait 2 jours que je vois passer des annonces de sous la cœur avec Leclerc, avec Cdiscount, avec machin, avec Amazon, et la Fnac toujours pas. J'aimerais bien savoir ce qui clante, c'est con. Ah, il va avoir une collector. C'est quoi la date de sortie déjà? Et je me suis promis de diminuer les dépenses ici à fin d'année. Parce que j'ai fait pas mal de conneries cette année. Out. Bon, j'essaye de rentrer la pièce A dans le truc D.
Ouais, mais je me méfie parce qu'en fait, Square annonce beaucoup de choses sur très peu de temps. Et dernièrement, ils ont quand même revendu des studios. Donc j'ai peur qu'ils fassent des sorties prématurées. Oui, ils veulent du fric, et c'est ça qui me fait peur. Est-ce qu'ils vont pas sortir des jeux prématurément? M'envoyer. Surtout mettre 10 ans à ouvrir une image, quoi. Ouais, je m'en suis douté un peu qu'il n'y aurait pas de version physique quand j'ai vu les. Quand j'ai vu les annonces qu'ils allaient mettre sur le PS Store et tout aussi. Ça m'a un peu dégoûté. Après, ça m'a fait rire parce qu'en fait, il y a des gens qui ont eu la brillante idée de créer des fausses boîtes. Et de mettre des images en ligne. Et du coup, il y a tous les gars qui faisaient ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Et les autres qui essayaient de leur dire non, mais vous avez pas compris que c'était des fakes. Et là, j'ai ri. Mon petit côté sadique, je pense. Ah, c'est le même. La même main que la Thunder Spear. Il y a quand même une grosse base de fans, c'est dommage. Oups. Le premier à qui ça casse les couilles. Je préférerais de loin les payer. Mais j'achèterai quand même.
Et je vais pas te mentir. Ça sera pas ma priorité d'acheter des jeux des maths. Autant j'adore Persona. Je les ai tous faits. Il n'y a que le 1 où j'ai fait la bad ending. Quand je vois les conditions de réussite du 1, je me dis putain, c'était quand même des gros enfoirés de merde. Voilà. Donc ça nous fait deux canons, deux couteaux. La plug, on l'a déjà mis. On va monter le cordon. En fait, ce qui me fait chier, c'est que ils ont toujours pas compris que eux à pousser leur débat, c'est bien, hein, c'est bien pour eux. Ça leur fait beaucoup de sous pour pas beaucoup de frais au final. Parce que j'imagine que la traduction, elle sera ou faite par un ordinateur ou copiée sur les fan trad. Mais moi, ça me casse les couilles. Quoi. Et bah, passe une bonne fin d'après-midi. Enfin, un bon début d'après-midi. Je suis un peu déphasé. Mais... merci.
Hein? Comme ça? Et montrer comment le... Non, c'est bien Q4 que j'ai pris. Vraiment censé rentrer comme ça? Ok. Ah putain. Déjà, elle est trop fort dessus.
Je me rappelle que la première fois déjà ça m'avait fait chier. Des petits doigts. F2, F2, 4.
D'accord. Reste là, toi. On jouera pierre feuille ciseaux après. Pierre feuille couteau. Ça aurait pas été mieux de le faire tout de suite plus trimétallisé. Les autocollants et moi, c'est 4 ans. J'y arrive pas. Ah, on est à 2 heures de live. Je disais, c'est bizarre qu'elle se soit coupée comme ça, je croyais qu'elle durait 2 heures.
Da-da-da-da. C'était Bacal Live pour l'Eva. Je vous remercie d'avoir suivi ces lives sur le montage des Eva, des kits RG Bandai. Je pense que ce sera la dernière fois qu'on le fait en live. Prochain, je le ferai tranquillement sur ma table. Plus de place. Wanda Mbara. Golom. Les plus gros, c'est pour ça que je les mets, parce que c'est dommage de quand même en mettre 0. Pense qu'on va partir sur le cosplay flingue.
Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da.